sur Fast Good Cuisine. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais manger un hand spinner. Je vais vous montrer comment faire ça. C'est un hand spinner comestible à base de bonbons, de chocolat blanc. En plus de ça, il marche plutôt bien. Donc si l'idée vous plaît, pensez à liker. Et maintenant, bon visionnage. Alors, pour faire un hand spinner, il vous faudra des bonbons. Moi, j'ai pris deux sortes différentes. Libre à vous de choisir. Du chocolat et, bien sûr, de la pâte à sucre. Alors, première étape, on va travailler un petit peu la pâte à sucre. Et ensuite, on va venir l'étaler. Et oui, j'utilise un rouleau de papier film parce que je n'ai pas de rouleau à pâtisser. Donc pour étaler plus facilement la pâte à sucre, vous pouvez vous aider d'un petit peu de sucre glace. Et ensuite on va venir découper la forme du hand spinner. Donc soit vous prenez un vrai hand spinner que vous nettoyez bien, soit vous pouvez trouver tout simplement des patrons, donc exactement la même forme en papier imprimé, et c'est dispo sur internet. Donc là, ensuite à l'aide d'un couteau, on va venir faire le contour du hand spinner. Allez, on passe à la suite. Donc du coup, les hand spinners sont là. On va devoir s'occuper des roulements. Donc on va prendre des bonbons. Vous pouvez prendre soit des bonbons piquants, soit encore des bonbons type œuf au plat. Mais moi du coup, je vais préférer des bonbons un petit peu acides. Donc à l'aide d'une douille, vous allez découper des formes. Voilà, comme ceci. C'était pas bien appuyé. Et voilà, vous avez votre roulement en bonbons, et ça on va faire pareil pour tous les autres bonbons. Donc les roulements sont prêts, les hand spinners sont là. Maintenant on va devoir encore emporte-piécer le hand spinner. Là il faut y aller délicatement parce que c'est assez fragile, donc vous allez faire la même technique que pour le bonbon. Maintenant vous allez venir placer les roulements. Maintenant, alors il y a deux options possibles. Soit vous allez découper la partie centrale pour mettre un bonbon. Donc regardez, je vous montre. Donc on découpe la partie centrale et on vient mettre le bonbon d'une autre couleur. Comme ceci. Ou alors, si vous voulez faire un hand spinner qui tourne, vous allez pouvoir prendre un roulement. Attention, il faut qu'il soit très très propre, bien nettoyé. Et vous allez faire pareil. Donc on enlève la partie centrale. On vient y déposer le roulement et on va bien refermer. Pour la finition et pour que ce soit plus solide, on va finalement utiliser du chocolat blanc. J'ai changé à la dernière minute, donc on va le faire fondre au micro-ondes pendant 30 secondes. Eh bien, on attaque la finition. Ne vous inquiétez pas pour la forme, ça c'est l'arrière du hand spinner. On le verra pas. Donc voilà, vous prenez un petit peu de chocolat et on va en déposer sur tout le hand spinner. Et là, on va laisser reposer au frais pour que le chocolat prenne bien. Dès que la première couche de chocolat a bien pris, on va en mettre une deuxième, histoire que ce soit vraiment bien solide. C'est parti pour la dégustation, ça va être de la folie, parce que déjà on a un hand spinner qui tourne, et en plus de ça, grave bon. Par contre maintenant il va beaucoup moins bien marcher, je pense, hein. Effectivement. Ah, et bien la recette était vraiment délicieuse. On a un hand spinner à base de chocolat, de bonbons, de pâte à sucre. Et évidemment c'est très gourmand, mais c'est très très bon. Donc je vous invite à tester chez vous. Si vous testez, pensez à me faire une petite photo, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook Cuisine. Voilà, vous pouvez me la partager. Je regarderai avec grand plaisir. En tout cas, si cette recette vous a plu, si vous souhaitez revoir une autre recette, mais cette fois-ci en version salée, je peux tenter le défi de faire un hand spinner salé. Voilà, si un max de likes, je le ferai. Pensez aussi bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche. Je vais bientôt partir en voyage, je ne vous dis pas où, je garde la surprise pour l'instant. Donc ce sera à suivre sur Snapchat. Il est dans la description si jamais. Voilà, je vous dis à très vite. Et sur ce les amis, ciao ciao.